heureux d'être toujours à Bruxelles dans le cadre de la chasse aux intellectuels et la qualité de leur militantisme. Je suis venu encore rencontrer une Ivoirienne, ressortissante du Moronou en Côte d'Ivoire, capitale congolaise. Et la dame que je vais rencontrer s'appelle Thérèse Kwame. Thérèse Kwame est secrétaire à la mobilisation et à l'organisation de l'Union des femmes du PDCI, Benelux, c'est-à-dire Hollande, Belgique, etc. Elle est présidente fondatrice d'une ONG qu'on appelle ASPL, Immigrés Autrement. Nous sommes venus la rencontrer dans le cadre de ces deux entités, son ONG et la politique du PDCI IRPA. Alors, Madame Kwame, vous êtes membre, présidente fondatrice de ASPL Immigrés, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Immigrés Autrement, c'est à l'endroit de nos jeunes frères qui sont restés en Afrique, qui malheureusement utilisent tout ça de voies pour arriver en Europe. Ce que nous essayons de faire chaque année, c'est d'essayer d'aller vers eux. Déjà faire la sensibilisation, leur expliquer localement. Chaque année, je descends en Côte d'Ivoire pour essayer de mobiliser les jeunes, de les sensibiliser, de leur faire comprendre les dangers de l'immigration clandestine. C'est-à-dire qu'il est facile d'avoir son visa si on le demande et que si ça ne marche pas, on peut aussi rester dans son pays et aussi évoluer. Dans ce sens-là, on essaye de mettre la main à la pâte aussi, en essayant de couper les jeunes et aussi les femmes et leur donner un financement pour qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes dans l'agriculture, dans les élevages. C'est une activité que l'on fait. Depuis quand cette ONG existe? Depuis 2014. Et vous avez déjà un bilan positif? Oui, on a un bilan positif dans ce sens où, au niveau du Moronou, nous avons déjà 5 villages que nous avons pu regrouper des femmes et aussi un groupement de jeunes. On a pu passer aussi faire des activités. À chaque fois qu'on parle en Côte d'Ivoire, on va visiter ces femmes-là. On essaie de retenir les mères. Ce sont les mères en quelque sorte qui retiennent les jeunes sur place. Et ça se passe assez bien au niveau de l'Europe. Ils s'occupent aussi de l'accueil de ceux qui arrivent avec un visa. Par exemple, un jeune étudiant qui est venu étudier en Belgique, et on fait tout pour l'aider, pour le guider, pour l'orienter, pour ne pas qu'il puisse le perdre. Donc, c'est un peu ça que nous faisons dans le cadre de l'ONG. Alors, vous qui étudiant, vous qui me regardez, voilà, vous avez ce qu'on appelle le passoir. Et donc, c'est une dame qui veut vous aider. Une fois que vous remplissez les conditions et que vous venez soit pour les études, pour les affaires, et que vous arrivez en Belgique, pour ne pas que vous soyez étourdi, et vous prenez contact avec elle, elle va vous aider à vous insérer à travers dans les universités, à travers les grandes écoles, tout ça. Bon, mais pour ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont en Afrique, ça ne sert à rien de tomber à la mer pour venir en Europe, parce que de toutes les façons, ça sera encore plus difficile. Donc nous essayons aussi d'aider sur place là-bas pour qu'ils puissent avoir un revenu et se prendre en charge en Côte d'Ivoire. On dit l'Eldorado, ce n'est pas ici, c'est dans notre propre pays, une fois que tout s'organise très bien. Nous allons parler de politique du PDCJMIA. Votre parcours familial ne vous oblige pas. Enfin, au départ, tous vos parents sont FPI. Je précise que votre oncle, c'est une sa fille de sang. Oui, du FPI, ben, nous sommes en fait une famille politique. Mon père aussi fut dans le camp du PDCI. D'ailleurs, c'est de là que nous avons eu la graine du PDCI. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ma soeur aînée aussi va se présenter au niveau d'ARA. Le parti du PDCI, c'est maintenant officiel. Madame Guessan épouse Arlette Lomé Bateau. Donc, voilà, donc, je veux dire, la politique dans ma famille, c'est depuis toujours. Mais nous, nous avons décidé de déposer nos bagages au PDCI, parce que pour nous, c'est l'origine. Et alors, nous faisons partie de cette jeunesse-là, de cette nouvelle jeunesse au PDCI, qui voudrait voir le retour du parti à partir de 2020.
quand on va au pouvoir, parce qu'on trouve que le PDCI, c'est le parti calme, c'est-à-dire que c'est un parti de maturité. Donc, nous formons le renouveau, en quelque sorte, de ce PDCI-là, qui a une racine. Donc, voilà pourquoi nous sommes au PDCI, et moi, je ne vois pas ma vie politique autrement qu'au sein du PDCI. Et c'est en ce sens que, ici, au niveau du Vénus, de la Belgique, ben, voilà, j'ai été désignée comme secrétaire général à la mobilisation et à la préparation au sein de l'UFPDC. Donc nous essayons, c'est tout le monde, nous essayons d'attirer partout, de faire la révolution pour que maintenant on puisse venir jouer. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de la situation des femmes, comment les femmes s'organisent ici sur le plan. Pour l'instant, c'est un peu nouveau. Je dirais que c'est un peu nouveau, parce que bon, on a été la présidente de l'UFPDC à l'époque. On n'est pas là pour l'instant, mais c'est un nouveau et nous essayons maintenant de se mettre en place à l'instar de celle de la France, qui ont cette habitude-là. Prochaine, voilà, au même titre, au même niveau que ce que le seul. Aujourd'hui, le PDCI, c'est complètement désolidarisé. L'IRPR, l'IRHDP, comment vous avez fait pour le nouvel appliqué de l'UNICEF? Très bien, pour moi, je suis vraiment ce qui vient de la direction, c'est-à-dire ce qui vient du président Bédé. Donc, je suis jeune, mais je suis intrépide, comme on le dit, mais je ne vais pas en dehors de ce qui vient de plus haut. Je respecte la lignée, c'est-à-dire je respecte la délégation. Et si vous avez le délégué général qui est M. Boukou, qui donne des instructions, nous suivons. Nous avons au sein de la FPDC Mme Aline Mouka, qui est notre présidente. Également, et nous suivons aussi tout ce qui vient de l'habitude. Nous ne prenons pas des décisions de nous-mêmes. D'accord. Alors, les prisonniers politiques sont sortis, Mme Bagbo est sortie. Comment vous avez accueilli l'information, la nouvelle de la libération de ces prisonniers? C'est une très bonne chose. Ça permet au moins de désannoncer un peu ce climat politique très beau. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans la voie de la réconciliation et du pardon. J'aimerais bien que les libérés aussi s'engagent dans cette voie-là. J'ai été très heureuse d'entendre dernièrement Mme Sylvie Bagbo remercier le président Alassane Dramane Ouattara. Et mon souhait, en tant que jeune ivoirienne de la diaspora, c'est que le pays, l'origine, la Côte d'Ivoire, soit apaisé et que la paix revienne définitivement et qu'on s'inscrive dans une sorte de politique apaisé dans le respect mutuel. C'est ce que nous visons. Nous ne sommes pas là pour être en palabre, en belligérance tout le temps. Il faut qu'on triche un petit peu sur les politiques occidentales, parce que c'est de là que vient en fait la démocratie. Donc ici en Europe, quand on doit aller aux élections, on ne se bat pas. Donc en Afrique aussi, moi j'espère réellement qu'on arrive à ça. Comme étant des personnes incapables de faire de la démocratie apaisée. J'invite vraiment tous les partis politiques de Côte d'Ivoire à s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation et de paix qui s'annonce. Alors, M. le maire du plateau, a été frappé par un décret de l'information. Comment vous avez accueilli cette information? Je n'ai pas bien accueilli cette information-là parce que j'aime beaucoup le maire du plateau. Monsieur Possible Dieu, pour moi, tout ça c'est politique. Comme vous le savez, on est né dans cette politique-là, on sait un peu comment ça se passe. Moi je pense que c'est des calculs politiciens, mais comme je vous dis, il faut vraiment arriver à une nouvelle politique. Il faut arriver à une politique d'apaisement. On n'attend pas à 2 mois ou à 1 mois des élections pour venir coller tout d'un coup comme ça une sorte de contrôle judiciaire et autre à un maire qui
de sur quoi elle est née dans sa commune. Donc, bon, tout ça, pour moi, c'est déjà plus le politicien, mais que ça va passer. Mais c'est dommage que M. Bendjo ne pourra pas peut-être participer aux élections communales qui s'annoncent. Mais tout ça, c'est politique et on doit sortir de ça. Donc, moi, ce sont des aînés et tout ce que je peux l'appel que j'annonce à tous ces aînés politiques-là, c'est de s'inscrire dans une politique apaisée qui ressemble à la politique européenne où on se respecte mutuellement, où même quand on n'est pas d'accord, on va à la commission et on s'entend et on avance. Et je pense que d'ici 2020, en tout cas, la Côte d'Ivoire s'inscrira totalement dans cette dynamique de paix-là, politique, et nous allons contribuer. La toute dernière question, c'est la commission électorale indépendante de la CEI. Est-ce qu'en état, vous pensez qu'avec cette CEI-là, en dehors du RDR, un parti quelqu'un peut gagner les élections Côte d'Ivoire? On va y travailler. Je veux dire, tout n'est pas fermé. On est dans une évolution en quelque sorte, comme je le dis, on est dans une évolution. La politique africaine, il ne faut pas trop aussi cloisonner parce qu'on est de jeunes démocraties. Donc, ce sont des choses à corriger qui viendront mettre dans l'apaisement, dans la paix, dans la compromission, dans le compromis. Je pense que la CEI peut changer. Je pense que d'ici là, avant 2020, cette CEI-là sera aménagée. Nous sommes des êtres humains, donc des êtres humains se parlent. Je pense bien que le président Bédié et le président Alassane Ouattara vont se parler d'ici là. Je pense que M. Affine Guessant de l'opposition, Mme Simone Gbagbo, tout ce beau monde-là vont parler et que d'ici là, la CEI sera aménagée pour que tout le monde puisse participer à ces élections-là. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème en soi. Parce que je sais que nos aînés, la classe politique ivoirienne aujourd'hui est prête à aller à la réconciliation, à la paix. Donc pour moi, ce n'est rien. Ils vont s'entendre, ils vont s'asseoir, ils vont s'écouter et ils vont pacifier cette CEI-là de sorte que participer aux élections et que le meilleur gagne. Alors, madame, au terme de notre entretien, quel est votre dernier mot à l'endroit des femmes, des jeunes qui, depuis près d'une dizaine d'années, le fait qu'ils soient écartés, ne se retrouvent pas, qu'ils deviennent des proies faciles pour des politiciens, quel est le mot de fin que vous avez à leur endroit? Déjà, la paix. Pour moi, quand on est jeune militant d'un parti politique, on doit avoir une sagesse. Et cette sagesse-là s'inscrit dans, déjà, la paix avec son prochain. On n'est pas obligé, on peut discuter autour d'une table. On peut même, moi je suis très active sur les réseaux sociaux, on peut vraiment parler politique sans vraiment arriver au mal. Aujourd'hui, il faut que le jeune Ivoirien, le jeune Africain, fasse de la politique apaisée. Tout vient de là. Moi, je suis pacifiste. On peut ne pas être d'accord, mais on est obligé d'évoluer ensemble, de se comprendre et d'avancer. Donc, pour moi, les jeunes Africains doivent s'inscrire dans cette paix, dans cette dynamique de paix politique. Un message à l'endroit du Moronou? Ah ben, le Moronou, on tient. Et pour l'instant, on peut pas, je crois que la campagne n'a pas encore commencé. Mais aujourd'hui, à l'endroit des jeunes d'Ara, vous allez sûrement avoir, parce que maintenant c'est officiel, une femme en politique, Madame Guessant, Madame, moi je dis toujours c'est ma soeur, donc c'est Kwame Arlette Dadou, épouse Guessant, qui va se présenter et à la mairie, vous aurez l'occasion d'avoir au moins une femme aujourd'hui qui va se présenter. C'est une personne qui est assez forte, c'est une personne assez compétente. Voilà, c'est la fille aussi premier maire de cette ville-là. Vous savez très bien ce qu'on a eu à faire. Nous sommes prêtes à travailler avec cette dame-là. Et bon, voilà, j'espère bien que bon, la population d'Arabie du Nord donnera sa voix pour que, bon, voilà, puisse être à la tête de cette. Et au niveau du Moronou, nous avons aussi maman Aka Véronique, qui est une grande dame, elle devient une battante, qui est une dame exceptionnelle, qui a fait beaucoup pour le Moronou, qui continue d'ailleurs. Alors, je voudrais bien qu'elle puisse gagner. Et donc, là, on peut
PDCI soit très représenté dans cette Burundi. Et puis ben, par la suite, à l'endroit de tous les hommes politiques et femmes politiques du Burundi, l'apaisement, la région a besoin de nous, du développement surtout. Donc on ne peut se développer que si nous sommes en apaisement. On ne peut se développer que si nous sommes en attente et dans l'union. C'était le message que nous retenons de cette belle dame qui a une diction extraordinaire, elle s'appelle Thérèse Kwame. Thérèse Kwame s'est exprimée. Elle a une ONG qui s'occupe des immigrés. Et ce que aussi nous avons retenu au sein de cette ONG, si vous n'avez pas obtenu tous les papiers nécessaires pour quitter votre pays, ce n'est pas la peine d'emprunter la voie de la souffrance, de l'esclavage et de la mort. C'est ce que nous retenons. Au niveau du PDCI RDA, elle a des parents qui sont engagés dans la course des élections locales à Arra et à Bateau, je crois, à Bongouanou. Depuis la Belgique, elle lance un salut à l'Union, elle lance l'apaisement et je crois que ce sont ces gens de propos que le nouvel Ivoirien que nous sommes, nous voulons entendre. Merci Madame Thérèse et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.